En Espagne, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants et de lycéens sont descendus dans les rues d'une quarantaine de villes, profitant de cette journée européenne contre l'austérité pour organiser des marches contre les coupes budgétaires dans l'éducation. Nous n'acceptons pas que l'éducation et la santé publique servent à payer pour une crise que nous n'avons pas provoquée, et c'est au final ce que fait le gouvernement dirigé par le Parti populaire. À noter quelques échauffourées avec les forces de l'ordre à Barcelone. En France, les défilés se sont déroulés sur une note nettement plus politique, avec la présence des leaders syndicaux en tête de cortège à Paris. Bilan, une mobilisation relativement mitigée à travers le pays, même si quelques grèves ont légèrement perturbé le transport aérien.